Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Marcelo au PSG. Mais avant de parler de Marcelo qui est seulement un excellent défenseur, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée de Marcelo au PSG. D'après les informations de la presse espagnole, le latéral gauche brésilien Marcelo de 31 ans intéresse le PSG en vue de la saison prochaine. Deux ans après avoir récupéré Keylor Navas, que le Real Madrid ne voyait plus comme son numéro 1, le PSG va-t-il refaire le même coup avec Marcelo, en train de perdre sa place à Madrid avec la montée en puissance de Ferland Mendy. La rumeur est née en fin de Mercato sur le plateau d'El Chiringuito, la célèbre émission de la Sexta où il y a à boire et à manger en matière d'info Mercato. Directeur d'Ocadario, un site espagnol d'information et ancien journaliste de Marca, Edouard Enda, assuré que le PSG avait déjà transmis une offre à Marcelo et que plusieurs clubs anglais étaient aussi intéressés. Une information qui a été confirmée cette semaine par le journaliste David Vidales sur le plateau de Gol, une autre chaîne espagnole. Selon lui, le PSG est bien intéressé par le joueur, par insensible à l'idée de rebondir en Ligue 1. Toujours selon cette source, le Real Madrid ne s'opposera pas au départ de son Brésilien cet été, mais réclamera par contre une indemnité de transfert puisqu'il a encore 2 ans de contrat. Malgré que ces deux sources ne sont pas les plus réputées en Espagne, cet intérêt du PSG n'est pas si farfelu. Pour autant, Juan Bernat fait le job depuis son arrivée à Paris, mais ce n'est pas Marcelo, quand bien même le Brésilien est souvent blessé ces derniers mois et n'est plus aussi indiscutable qu'auparavant. Leivin Kurzawa arrive en plus en fin de contrat en 2024. Le PSG va devoir bouger sur ce poste. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée de Marcelo au PSG est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.